ngine songi muna amekene ngine songi mufema ikene ngame songi muna yaha gine gine ngame songi mufema nyo harafema awa imi bode mali maafena mwade ina halolo iye birinda songi imu jene mali maafena Parce qu'on a quand même.
commandement de la femme de notre président, monsieur l'ambassadeur, le doyen que j'ai présenté, que je représente, monsieur Saki Bari, doyen de la communauté guinéenne au Canada. Et on continue avec madame Maria Touba, présidente de l'association des Guinéens au Canada. La journée fêtée cet anniversaire du 59e, sans parler d'un thème tel que l'éducation. L'éducation qui est bel et bien l'arme la plus puissante pour édifier un monde rempli de ces belles valeurs que nous incarnons tous. Et lorsqu'on parle d'éducation, Isha. Nous avons aussi la santé qui, grâce à elle, nous ne pouvons pas réaliser tout ce qui nous motive dans la vie. Et grâce à la santé, nous pouvons retrouver nos plus belles et merveilleuses possibilités d'incarnation de talent. Et c'est pour ça que nous rappelons ici que les associations guinéennes au Canada, en l'occurrence celle de Fotal, qui est gouvernée sous le patronage de l'ambassade, favorise de telles initiatives. Nous devons renforcer cela. L'éducation et la santé doivent être notre chemin de bataille pour pouvoir nous absoudre de cette réalité. Accueillons cette petite à la voix angélique, qui est très courageuse d'ailleurs. Applaudissons. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante universelle. Parmi les nations en voie de développement,
La Guinée fait figure de pays pauvre hautement endetté. Et malgré les énormes ressources naturelles de notre sol et de notre sous-sol. Dans le cadre de la réforme institutionnelle portant sur le renforcement de la gouvernance mise en œuvre depuis bientôt 10 ans, diverses initiatives ont été mises en place. Cela s'est traduit par un transfert aux collectivités locales, régions, communes et communautés rurales, des responsabilités relevant 9 domaines de compétences dont la santé et l'éducation, les 2 thèmes principaux de notre célébration ce soir. L'analphabétisme, quasi général et surtout la gêne féminine, l'état de santé précaire des populations rurales, notamment dû entre autres aux ravages que causent les cancers féminins. S'alignant avec les faiblesses notées ci-dessus, 2 projets sont contenus dans le portfolio de la célébration de ce soir. Et se propose de contribuer à l'échelle nationale à la réalisation des objectifs que la Guinée s'est fixés dans son plan national de développement sanitaire et sa politique de l'éducation. Ce faisant, de contribuer à la réalisation des objectifs du développement soutenable contenus dans la déclaration faite par l'Organisation des Nations Unies lors de la session spéciale sur le développement durable en septembre 2015 à New York. Je voudrais donc lancer un appel à l'endroit de nos partenaires présents et futurs pour soutenir nos projets afin de faire reculer les frontières de l'ignorance et en finir avec les morts tragiques par manque de soins appropriés. Je vous remercie de nous avoir honoré votre présence, Monsieur le maire, bien qu'il n'est pas encore là. Et chers invités, amis et parents, je tiens aussi à remercier tous les partenaires et sponsors, et particulièrement Bruxelles Airlines, Monsieur Patrice Malaco, quelqu'un depuis 20 ans je collabore avec, qui travaille toujours pour le bien de l'Afrique. Je remercie aussi nos collaborateurs, Blair, Fixoto, les bénévoles, l'équipe de Aïssatou et tous les organisateurs. Et alors, je vous remercie infiniment et je vous invite à passer une agréable soirée en compagnie de l'édition. Merci. Cet événement important est confié à une association guinéenne. Cette année, c'est à Solidarité Foutadjalon Canada que revenait cet honneur. Avec bien entendu la collaboration de toutes les associations guinéennes au Canada ainsi que le nouveau bureau exécutif de l'AGC. L'Association des Guinéens au Canada a été fondée en juin 1984 et constitue un réseau de contact pour tous les Guinéens au Canada. La communauté guinéenne voudrait, à travers cet événement qui nous réunit ici ce soir, faire profiter à la Guinée l'expertise canadienne en matière notamment d'éducation et de santé qui sont les thèmes revenus ce soir. Un forum économique Guinée-Canada qui sera sur l'agriculture, les mines et l'énergie en octobre 2018 et qu'on va organiser tous les 2 ans. Un gala de la célébration de la fête de l'indépendance en octobre 2018. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de l'AGC, de Solidarité Foutadjalon Canada, à cet événement grandiose. Vous avez répondu en grand nombre et on vous remercie. Soyons unis dans notre diversité pour une intégration réussie au Canada de notre communauté. Ensemble, nous pouvons hisser la culture guinéenne sur l'échiquier du multiculturalisme canadien. Bonne fête de l'indépendance à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup.
vanter autant la Guinée. La Guinée, elle est belle. La Guinée, elle est riante. Et la Guinée, c'est vous, mesdames et messieurs. Alors ce soir, ovationnons pour la Guinée. Amis, en cette chaleureuse soirée, nous célébrons le bien anniversaire de la Guinée. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et on a également un avion qui est peint avec Tomorrowland, qui est un spectacle qui se fait une fois par an en Belgique. Je voulais vous montrer ce petit vidéo simplement pour vous montrer trois avions qui ont été peints avec des thèmes caractéristiques de la Belgique. Donc tout d'abord j'aimerais remercier M. Mohamed Diallo, mais avant cela, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Guinée, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes, Brussels Airlines, très heureux d'être commanditaires de cet événement organisé par l'Association des Guinéens du Canada et en collaboration avec Solidarité Potal Fouta Djallon. Je dois vous dire que c'est la seconde fois que nous commanditons cet événement qui célèbre l'indépendance. Cette année, le 59e anniversaire. L'année dernière, c'était le 58e, bien entendu. Alors, je vous félicite pour ces nombreuses années d'indépendance de la Guinée. Et je vous félicite également pour l'excellence de la présence de la communauté guinéenne ici, au Québec et au Canada, qui représente très très bien son pays. S'il y a deux compagnies aériennes qui peuvent vous amener à Conakry, il y a cependant seulement une seule agence de voyage qui peut vraiment vous donner un bon service, et bien sûr c'est l'agence de M. Mohamed Diallo, qui, comme il disait tout à l'heure, on se connaît depuis plus de 20 ans, il s'est trompé parce que ça fait vraiment au moins 30 ans qu'on se connaît. Il ne voulait pas se vieillir, je pense. Tu te rappelles de moi, hein? C'est un temps. Hein? On avait été le gouverneur va bien? Il va très bien. Il va être le supposé souverain. C'est toujours Bango. C'est toujours Bango. Hein? C'est toujours Bango. Ah, ok. Très bon. Mais il faudrait vraiment que nous fassions en sorte que ça puisse être possible. Je lui ai dit. Après le 5 novembre. Et moi, je devrais aller dans ton pays. On m'a parlé de ça, mais je te l'ai dit. Je viendrai. Tu vas venir avec moi. Vous n'allez pas avant que je vois à moi. Madame, c'est un plaisir. Ça va bien. Merci beaucoup. Hein? C'est trois fois? Non. Tu vas bien? Dominique, tu vas bien? Le conseiller avec l'ambassade. Tu l'endures, oui? Tu travailles avec lui? Avec d'amour, Pilo. On a été ensemble. Bon, tu souris toujours? Oui, toujours. Ah, ben, oui. Si je comprends bien, vous voulez aller en Guinée. Ah ben, ça fait longtemps. J'ai parlé au gouverneur. Moi, comme président de Métropolis, c'est sûr que j'ai une place dans mon cœur pour l'Afrique. Et puis, Guinée-Conakry, pour moi, c'est aussi important. On fait partie de la IMF et puis nous avons eu le congrès de Métropolis cette année, encore une fois. J'ai beaucoup d'ambition pour l'Afrique, beaucoup. L'Afrique, c'est aussi vous-même, c'est Denis Coderre. Et ce soir, nous sommes en Afrique. Et
qui soient les bienvenus. Amusons-nous ensemble. Merci. Bonne chance pour les élections. Pas trop longtemps, il faut que j'aille. Il faut que je me fasse élire. Vous allez gagner. Vous allez bien. C'est l'ambassadeur sourire, là. Vous saviez pas que c'est mon frère. Accompagné de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée, son excellence Sarah Mandy Touré, accompagné du maire sortant de la ville de Montréal, sous vos ovations. Guinée-Conakry. Beaucoup. Non seulement comme maire de Montréal, mais également comme président de l'organisation Métropolis, qui est l'organisation internationale des grandes villes du monde. Alors, j'ai une petite pensée pour Ben Goura, le gouverneur de Conakry, et j'ai dit à l'ambassadeur que j'ai quelque chose qui s'appelle comme une élection, mais qu'après le 5 novembre, j'ai beaucoup l'Afrique dans mon cœur et que je me ferai un devoir d'aller visiter Conakry et de m'assurer. Vous savez, ce qui est magnifique à Montréal, c'est ce vivre ensemble. La diversité fait partie de notre ADN, qu'on peut être égal et différent, et que cette diversité est une plus-value qui fait en sorte que Montréal, c'est non seulement l'Europe en Amérique, mais c'est également une terre d'accueil exceptionnelle qui a cette sensibilité de tous les continents. Nous carburons avec cette magnifique diversité, et on parle de quoi? 16 000 Guinéens? Hein? 17 000? 17 000. Hein? Plus que ça, mais pour Montréal. Pour Montréal. Et j'ai toujours voulu, comme député ou ministre à l'époque de l'immigration au Canada, ou bien comme maire, de mettre cet agenda du vivre ensemble, cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance, de se dire que dans les 20 prochaines années, plus de 75% de la population va se retrouver dans les villes et que l'on ne définit plus le monde en termes de pays ou en termes de continent, mais en termes de villes. Et comme métropole francophone, comme évidemment un amoureux de la francophonie, c'est important et normal que cette francophonie soit économique, mais qu'elle soit également politique. Et Montréal souhaite jumeler
et tant de façon bilatérale que multilatérale avec plusieurs des villes. Donc, j'ai déjà dit que je verrais d'un bon œil un jumelage entre Conakry et Montréal. Et il y a des défis politiques, il y a des défis d'environnement, il y a des défis de développement. Et j'ai toujours, à chaque fois, je dis, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et quand on a mis sur pied ce congrès du vivre ensemble, nous sommes assurés que les pays d'Afrique puissent également être partie prenante de cette stratégie. Donc, j'ai pas l'intention de faire un long discours. Je voulais juste vous dire deux choses. La première, c'est que je vous aime. Hein? Que c'est pour moi un privilège, un honneur d'avoir été invité et que c'est important que l'on puisse continuer à cheminer et à grandir ensemble. Donc, Excellence, on va travailler sur une stratégie pour mettre en branle ce que j'appelle cette diplomatie urbaine pour qu'on puisse grandir ensemble entre nos deux villes. Mais très certainement, on veut faire partie de la solution. Deuxièmement, sur le plan local, bien, vous savez qu'il y a une élection le 5 novembre. La démocratie, c'est fragile. Il y a des gens dans d'autres pays qui meurent pour avoir ce droit de vote. Nous avons un droit de vote ici. Montréal est une ville exceptionnelle où ceux qui viennent des autres municipalités, il serait essentiel et important d'aller voter et de contribuer à cet effort démocratique. Bon 59e à tous. Merci de me donner cette opportunité. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Merci. Merci de l'Association des Guinéens. Monsieur Mohamed Diallo, président de Port-al-Foutan, organisateur de la présente cérémonie. Honorable Denis Coderre, maire de la ville de Montréal. Monsieur le maire, mes premiers mots vont vers vous. Celui qui m'a donné la parole me dit de vous adresser des remerciements. Ici, la salle est pleine de Guinéens et des amis de la Guinée. Ils me chargent de vous dire qu'ils sont fiers et honorés de vous recevoir dans cette salle et dans ces circonstances. Monsieur le maire, vous n'êtes pas populaire parce que vous présidez la grande et magnifique ville de Montréal. Vous êtes populaire par vous-même, par votre simplicité, par votre âme, votre culture et votre éducation. J'ai eu le privilège d'être reçu par vous l'année dernière à la mairie de Montréal dans les conditions exceptionnelles. J'ai également eu le privilège d'accompagner Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, auprès de vous, quand, pendant sa visite ici, dans des conditions également exceptionnelles. Monsieur le maire, quand vous dites que vous aimez l'Afrique, que vous aimez la Guinée, je vous crois parfaitement, puisque c'est vous qui nous avez proposé cette idée d'un jumelage entre la ville de Montréal et celle de Conakry. Vous êtes allé au-delà. Malgré que vous êtes le président de Métropolis, qui est l'association des maires des grandes métropoles du monde, et que le gouverneur de Conakry n'est pas un maire, mais un gouverneur, vous avez tenu à l'inviter afin qu'il prenne part à cette grandiose cérémonie et manifeste rencontre ici à Montréal. Pour des raisons de calendrier, monsieur le gouverneur n'a pas pu faire le déplacement à notre détriment, puisque nous savons que cette visite nous aurait permis à la fois de faire beaucoup de visibilité au sein de la ville de Montréal et sur la ville de Conakry et sur l'ensemble de notre pays. Et malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais il m'a chargé de vous dire, comme je l'ai déjà dit, que ce n'est que partie remise. Et nous serons encore davantage honorés, monsieur le maire, de vous recevoir en Guinée et à Conakry,
pour justement parler de toutes ces questions. Monsieur le maire, nous vous recevons ce soir ici pour célébrer 59 ans de l'indépendance de la Guinée. Je m'en voudrais, devant cette assemblée, de ne pas dire un mot sur la signification historique de cette indépendance. La Guinée est un des pays de la francophonie, donc ancienne colonie française d'Afrique, qui a accédé à l'indépendance dans des conditions particulières. Je ne pourrais pas retracer cette histoire, mais cette indépendance a été acquise dans les conditions dont nous sommes toujours fiers, puisque c'est à l'occasion, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que les promesses que la France avait faites à ses colonies d'Afrique de fournir des efforts de guerre, de faire pour contribuer à la libération de la France, et qu'en revanche, après la guerre, elle aurait proposé l'indépendance à ses colonies, que le général de Gaulle, dans les années 50, vers la fin des années 50, a proposé un référendum pour demander aux États africains francophones, qu'on appelait à l'époque les pays de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique de l'Ouest actuelle, et ceux de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique centrale actuelle, de choisir entre l'indépendance et appartenir à une communauté avec la France. Et si tous les États ont choisi, avec le bulletin oui, de demeurer avec la France, la Guinée a choisi le non et a préféré donc l'indépendance. Et ce sont ces conditions particulières qui ont fait que la Guinée s'est distinguée des autres. Cela n'est pas parti sans conséquence pour notre pays. Je ne peux pas rentrer dans ces histoires. Mais je pourrais vous dire que depuis 1958 jusqu'à nos jours, vous serez ici. Vous avez beaucoup de citoyens aujourd'hui dont nous sommes fiers, mais qui sont également vos citoyens, puisque vous venez de leur demander de se mobiliser pour aller voter prochainement. Ils sont à la fois guinéens et canadiens, et ils sont à Montréal. Et nous avons également la fierté de dire que l'écrasante majorité de la communauté guinéenne du Canada se trouve dans votre ville. Et nous vous remercions de l'accueil que vous leur offrez. Nous l'avons toujours dit et ils ont toujours reçu. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours instruit à ses citoyens, à ses ressortissants, à sa diaspora dans son ensemble, de se mettre en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les pays d'accueil. Et je crois que les Guinéens de Montréal et du Canada en général sont dans cette directive. Et cette soirée, nous profitons donc de cette rencontre pour les confier davantage et dire qu'ils sont entièrement à votre disposition, pas à la disposition de M. Denis Coderre en tant que maire, mais à la disposition de la ville de Montréal, à la disposition de la province du Québec, à la disposition du Canada, autant que faire se peut. Encore une fois, je voudrais vous remercier et que cette rencontre, nous estimons que les échéances qui se préparent pour Montréal ou les élections qui sont en cours, nous souhaitons vivement que ça se passe dans les meilleures conditions. Nous ne doutons pas de votre popularité et que vous puissiez vous succéder à vous-même. Et ce serait un honneur pour nous de venir vous rencontrer prochainement afin que nous puissions parler de votre future mission en Guinée. Je vous remercie d'être venu. Chers compatriotes, encore une fois, je vous souhaite une excellente fête à tous et à chacun. Merci. C'était surtout pour vous remercier pour la magnifique mobilisation dont vous avez fait preuve récemment à l'occasion de la mission d'enrôlement pour les passeports biométriques qui a séjourné au Canada. L'ambassade, au nom de l'équipe de l'ambassade et au nom de cette mission, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres
l'esprit de civisme, l'engagement des uns et des autres à faire en sorte que cette mission ait connu le succès attendu. Je voudrais vraiment vous en remercier et profiter de l'occasion que le gouvernement a pris des mesures concrètes pour que réellement, autant que faire se peut, les problèmes des Guinéens puissent être résolus au plus vite que possible et dans les meilleures conditions possibles. À la suite donc de cette mission, dans les jours qui suivent, en tout cas dans le courant de la semaine prochaine, les passeports parviendront à l'ambassade et nous mettrons en place les dispositifs pour que vos passeports vous parviennent dans les formes et les conditions comme cela se doit. Ceci dit, je voudrais également profiter pour vous informer que le gouvernement a pris la décision de célébrer désormais chaque année une semaine de solidarité, de la citoyenneté et de la paix. Chaque année, et cette année, ce sera la seconde édition. Cette semaine est célébrée cette année en Guinée, dans les 33 préfectures et hors de la Guinée, dans toutes les missions diplomatiques et les pays d'accueil de nos missions diplomatiques. Du 1er au 7 novembre 2017. L'ambassade a reçu les documents, les instructions dans ce sens et nous ferons parvenir à la communauté guinéenne du Canada à travers Marie et son équipe toutes les informations liées à cela. Mais d'ores et déjà, l'ambassade envisage, compte tenu des réalités du Canada, de célébrer cette semaine entre le 28 novembre prochain et le 28 octobre et le 4 novembre. Le 28 octobre, c'est-à-dire le week-end prochain, qui est un samedi, nous lancerons la semaine au Canada. Nous aurions souhaité que cela se fasse sur un certain nombre de provinces et dans un certain nombre de villes. Mais nous n'avons pas pu, compte tenu de l'urgence, faire tout ce qui peut être fait. Cependant, nous avons estimé que nous pouvons lancer la semaine à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. On aurait souhaité également qu'un lieu soit trouvé ici à Montréal pour qu'on puisse le lancer ici, à Québec, puis à Moncton. Voilà les sites que nous avons choisis pour le moment pour le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Cette semaine a pour but justement de renforcer les liens de solidarité entre nous Guinéens, de renforcer l'esprit civique. On a vu tout à l'heure une fillette ici qui a chanté l'hymne national. Je ne sais pas si elle est née ici, ou si elle est née à Guinée, ou bien si elle est née ici, mais moi j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Justement, ce sont ces valeurs qui sont les nôtres que nous devons inculquer à nos enfants. C'est un peu une partie de la société. Nous-mêmes adultes, nous ne devons pas oublier ces valeurs. Nous devons continuer à les réapprendre et à les cultiver autour de nous. C'est ça l'objet de la semaine de la citoyenneté. Et nous allons vous envoyer un programme avec tous les éléments qui sont liés à cela pour que tout le monde en soit informé et que tout le monde y adhère. Cette semaine de la solidarité, c'est pour nous et c'est par nous. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et bonsoir. Je vous invite à ovationner le maire Denis Coderre et monsieur son excellence, monsieur l'ambassadeur Saramadi Touré de la République de Guinée au Canada. Et pour l'événement de ce soir, le nom de... Gare...
de commencer déjà à aller voir votre médecin de famille pour qu'il puisse vous programmer pour commencer à passer vos mammographies. C'est très important, ça sauve des vies. Ayez un médecin, même les hommes aussi, je vous conseille, vos médecins de famille, au moins deux fois par année, visitez, allez rendre visite à votre médecin de famille pour qu'il fasse un bilan annuel pour vous. Ça sauve des vies. Parce que la maladie, ce n'est pas seulement chez des personnes âgées, c'est les jeunes aussi. On a eu assez de compatriotes qui sont décédés ces dernières années par suite de cancer aussi. Donc la prévention, c'est la guerre de l'année. C'est la solution à tout problème, la prévention. Les jeunes filles, les mamans des jeunes filles, quand il y a des vaccinations contre le virus, le PVM, s'il vous plaît, faites vacciner vos petites filles et vos petits garçons parce que maintenant le vaccin, il vaccine les petits garçons aussi. Et puis, les femmes de 50 ans, la mammographie, c'est au moins deux fois par année, une fois par chaque deux ans. Vous devez passer votre mammographie pour être rassuré avant que ça ne soit trop tard. C'est ce que j'ai à vous dire comme conseil. S'il vous plaît, donnons-nous la main pour aider nos sœurs qui sont en Guinée, nos sœurs qui sont dans les villages reculés. La Fondation va tout faire pour pouvoir sensibiliser toutes ces femmes à travers des médias en Guinée là-bas. La faible connaissance, les attitudes inadéquates et les pratiques non favorables à la santé au sein de la population. Ça veut dire que la population n'a pas les connaissances nécessaires, n'a pas les attitudes nécessaires et ne pratique pas les comportements qu'il faut pour réduire ce cancer. Le deuxième facteur, c'est l'offre de services en Guinée. Nous le savons tous, notre pays a un système de santé qui ne répond pas parfaitement aux besoins de santé de la population, notamment la santé des femmes, la santé des adolescents, la santé des jeunes filles. Et ça, c'est un boulot d'étranglement dans la réduction de la mortalité due au cancer, que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer du col de l'utérus. Le troisième facteur, c'est tout à fait en bas, la demande. En fait, même quand il existe des services de santé, puisqu'on ne sait pas ce que ces services de santé peuvent donner comme réponse à nos besoins, alors les femmes n'y vont pas. Et de plus, ces services de santé ont une qualité moindre. Donc voilà quoi que voilà la ici. Dans cette salle, combien de parents nous avons? Tout le monde, parents qui ont des enfants. Quels sont ceux qui ont vécu ce que je vis actuellement, c'est-à-dire savoir comment orienter mes enfants
pour aller au secondaire. Comment je fais pour choisir les matières? Plusieurs parmi vous sont passés par là. Également, lorsqu'on arrive au niveau du secondaire, comment on choisit les disciplines, les thématiques techniques? Comment on accompagne nos enfants? Même pour ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, Ismaël peut parler, c'est pas facile. Donc, nous sommes arrivés à une idée simple. Ici, la seule chose à retenir au niveau de la communauté, c'est qu'il y a un projet pilote dirigé par l'AGC et en association avec les associations guinéennes, particulièrement Portal qui est engagé, pour faire une chose, un projet pilote d'un an qui permettra d'accompagner les parents et les enfants en difficulté dans notre communauté ici. Le projet, il va vous être présenté par l'Association des Guinéens du Canada, Portal et les autres, vont amener aux membres, donc je n'ai pas besoin de passer à travers ici. Ce qui est important de savoir, c'est que nous allons accompagner les enfants pendant cette année-ci, à partir du 13 janvier. La date de lancement, c'est le 13 janvier. À partir du 13 janvier, il y a des enfants qui ont besoin d'accompagnement dans des classes qui sont cruciales, 4e, 5e année et secondaire 4, secondaire 5. Nous commençons par là. Par la suite, à cela s'ajoutent des séminaires, des mentorships, parce que dans cette salle-ci, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons tous les corps de métier. Donc, ces personnes-là vont recevoir un appel de moi ou de la présidente de l'AGC ou des membres actifs de l'exécutif de ce projet pilote-là pour leur demander de venir parler à nos jeunes qui sont là, au niveau du secondaire 4, secondaire 5 et cégep, de leur champ d'expertise et de s'en occuper pour faire du mentorship auprès de ceux-là. C'est ce projet pilote que nous amenons cette année à travers les associations et c'est cet engagement-là que nous prenons pour cette année. Je ne vais pas passer à travers les slides. Retenez seulement que ce projet est lancé à partir d'aujourd'hui et début 13 janvier. Voilà, merci. Et nous allons devant le prier de bien vouloir se lever car... Est-ce que tout le monde est content là? C'est pas fini encore, c'est pas fini.
Je sais qu'on attend beaucoup de Jésus, là, et ça s'en vient bientôt. Là. Alors, on veut voir l'équipe, juste pour vous dire que beaucoup de travail a été fait pour voir ce que vous voyez aujourd'hui, ce soir. Alors, vous avez toutes sortes de techniciens ici. Je vais commencer par le président de Solidarité Futagaon, El Hadj Tcherno Mohamed Diallo. Applaudissez très fort. Et ensuite, Hadja Asiba. On a eu en fait trois personnes qui sont allées à la Mecque cette année. Et ils ont continué à travailler avec l'équipe. Alors vous avez M. Alassane qui a travaillé fort pour les commanditaires, qui nous a amené beaucoup d'argent. Merci Alassane. Et vous avez le grand Hamilou. Et il est vice-président de l'AGC aussi, il représentait l'AGC au sein de la commission du travail. Et vous avez notre technicien ici, informaticien Aziz, qui a fait toutes les flyers. Donc moi je le bombardais d'email là, à minuit le soir, je disais, est-ce que tu peux rajouter ça? Il le faisait sans problème. Mais aussi vous rappelez qu'il y avait une autre personne qui nous a beaucoup aidé, qui n'est pas ici, c'est Gao, qui héberge en fait le site de Portal. Merci à Gao, il faut le mentionner. Et vous avez aussi Oumar Sagno, qui était chargé vraiment de tout ce qui était médias sociaux, qui a travaillé fort, toutes les vidéos sur Facebook et je sais pas quoi, Viber, whatever. Donc il a tout fait. Vous avez notre trésorière financière, c'est elle qui s'assure que tout se passe bien, qu'on ne dépense pas l'argent n'importe comment, c'est Negi Bandé, merci. Ensuite vous avez El Hadj Hadi qui est chargé de l'éducation, qui a travaillé fort pour l'équipe aussi. Et il y a une qui n'est pas là, c'est Assi qui a préparé toutes les filles là, qui a travaillé. Ah ok, elle est là, Assi Diallo, applaudissez très très fort. Je sais qu'elle est très très fatiguée, mais merci. Je vais aller vite. Vous avez Hakim qui est chargé de la jeunesse aussi, qui a travaillé fort pour l'équipe. Vous avez Hadja Mariama Sira qui s'occupe de tous les petits détails. Là. Vous savez, là, il me dit enfin non, tu ne peux pas faire comme ça. Il faut mettre la virgule là parce que ça ne peut pas. Alors c'est extraordinaire. Alors je ne vais pas finir sans vous présenter Célia. On a donné la nationalité guinéenne. Merci. Mais DJ Soul, il faudra faire un spécial pour elle. Faut des barreaux, il paraît que c'est son favori là. Donc faut des barreaux pour Célia, elle nous a aidés durant tout ce temps. Elle est burkinabaise, martiniquaise, je sais pas, elle est vraiment internationale. Ensuite, je ne vais pas finir ça sans vous présenter le grand monsieur qui est au fond, le sorcier des sorciers, DJ Soul, qui a en fait participé non seulement à cet événement au nom de l'AGC, mais aussi qui a sponsorisé, qui a commandité l'événement, parce qu'il nous a chargé 0$ pour cette soirée. Alors, merci à toi. Alors, je n'ai pas terminé ça, mais remercier. Alors, il demande de me remercier. Moi, j'étais le coordinateur de ce projet. Alors, merci encore. Merci à tout le monde. Et la soirée continue. On va danser ici jusqu'à 3h du matin. Alors, préparez-vous. Très, très bien. Des nuits. Pour vous, mesdames et messieurs, pour faire de cette soirée un gala, un anniversaire inoubliable. Je pense que ce soir, vous faites tomber le lien du 59e anniversaire de la Guinée. Et ce soir, c'est aussi le début de plusieurs promesses qui ont été faites. Mais c'est aussi le début de plusieurs belles activités parce que la Guinée, je pense, à toute humilité, c'est cette Guinée, c'est ce pays qui fait la fierté de l'Afrique au Canada. Si vous êtes d'accord, nous rappelons qu'une telle réussite d'une grande manifestation, aussi belle, ne peut être réalisée sans ses commanditaires et ses partenaires, à savoir Air France, Go Voyagement, Bruxelles Airlines, Fitch Auto, Spirou, Vivian Capital et bien sûr un grand
d'entrepreneur, créateur de richesses, Yves Diaye. Nous avons le bel Resto Lounge. Et nous avons aussi DJ Soul, le sorcier, représenté bien sûr par son entreprise, Gala Multimédia. Gala Multimédia, autant pour moi. Nous avons aussi Universitas de Sonassa Madikaba. Et nous avons Montréal Global Logistique. Je ne sais pas le docteur Sonakata à Montréal. Thank you.
Thank you.
vous.